figé dans le temps depuis des millénaires. Et à l'intérieur, une découverte qui allait changer le monde. Fut un temps, on pensait qu'avec ça, nous ne pourrions pas plus nous rapprocher des dinosaures. Finalement, c'était faux. Après des années de recherche pour compléter la séquence ADN d'un dinosaure, nous y voilà. La vie, comme cette planète ne l'a jamais vue, depuis 65 millions d'années. Jurassic Park, on sait ce que ça a donné. Mais, et si quelqu'un comme vous avait été là pour tempérer un peu cet égo démesuré? Pour un Jurassic Park réussi, vous devrez vous assurer qu'il soit sûr pour tous les visiteurs. C'est la plus grande aventure de toute leur vie. Ça ne doit pas être la dernière. Dans la journée là, je viens de faire quatre ou cinq vidéos déjà. C'est où l'évolution dans la journée, n'est-ce pas? C'est un paradis, mais il a perdu quelque chose et nous allons le lui rendre. Cet endroit va montrer aux gens quelque chose de spectaculaire. Bah, toutes les vidéos des de la dernière région en fait, et celle-là en chair et en os. Donc vraiment, ça fait 3-4. Je sais plus. Ce moment plein de surprises et de magie. Vous allez y participer activement. Jurassic Park ouvrira dans les temps. Et le monde redeviendra ce qu'il était. La terre des dinosaures. Oh, très bien. 5 étoiles, enfin un peu. Ok. Laissez-moi vous présenter Lily Alford, la responsable des opérations du parc. Elle vous dira tout ce que vous devez savoir. On a un petit enclos. Merci, avec une partie ici. Appelez-moi John. C'est un bel espace. Très bien. Comme le disait le docteur Des nouvelles futures. John, notre objectif est de nous assurer que Jurassic Park soit entièrement opérationnel et sans danger aussi vite que possible. Nous faisons des choses qu'on pensait impossibles jusqu'à présent. Ça va être un défi de taille. Rendre possible l'impossible, voilà une idée qui me plaît. C'est bien l'inverse, non? Bien évidemment, je vais tout bouger parce que ils sont passés je sais pas pourquoi le jeu il a fait que ce serait comme ça. Jurassic Park peut compter sur un généticien de renom, l'un des meilleurs, le docteur Henry Wu. Vous devriez le rencontrer bientôt, si ce n'est déjà fait. Je suis bien installé et prêt à commencer. Si nous voulons avoir des dinosaures, il nous faut une couveuse. Construisez-en une pour que mon équipe et moi puissions nous mettre au travail. Carrément, la nette du parc, mission, compatibilité. Ok. Ok, ouais. Ça me perturbe. Ok. Ouais, donc là, il y a pathologie, la structure, le bâtiment.
couveuse. C'est ça, non? Ouais. Ok, alors 2, 2, 6. Ok. Faut aussi en génétique. C'est pour ça la génétique, donc. Ça c'est chiant ça. J'ai un port que je vais mettre ici, ça je vais faire tout le tour. Ça je vais le changer. Et je vais mettre des trucs ici, tu vois, je vais rapprocher vers là. Ou plus vers là, et ça je vais mettre derrière. C'est exploitation. Je vais faire tout un truc. J'espère que. Ouais, non, on peut pas. Ok, nice. Hop là, déjà, ça. Et ça se passe comment, moi? Première étape du processus de création de dinosaures dans une couveuse est la synthèse. Durant la synthèse, tu pourras sélectionner l'espèce et manipulation génétique et avoir la chance d'obtenir certaines caractéristiques. Le processus de synthèse crée un nombre variable d'œufs appelé couvée. Le nombre d'œufs varie selon les espèces. Des vélociraptors. Oui, nous allons commencer par eux. Je comprends vos inquiétudes, mais John est d'accord avec moi. Il s'agit de l'un de nos candidats les plus viables. Il va falloir synthétiser leurs œufs avec les recherches que j'ai fournies sur leur génome. Et bien sûr, je tiens à connaître les résultats dès qu'ils seront disponibles. Seigneur, je peux pas. Ok, ça c'est bien, ça attraction. Rien, galerie panoramique, visiteur, à construire. Ok, visiteur. Toilette. Eh sérieux, c'est pas mieux là? Celui-là, t'inquiète, je te bouge aussi. Attends, c'est quand même mieux. Bon, hop, parce que maniaque comme je suis, le fait qu'il soit trop collé. Voilà, hop. Normal, l'enclos je l'aurais fait vers là, mais bon. Ok, donc ça se met en bordure. Ok,
il y a même des pourcentages et tout. Modifier le génome. Je vais te faire des dingueries, toi, tu vois. Putain, je peux me la mettre des... Ouah, mais c'est une dinguerie, ce truc. Enfin, la peau, faut changer la peau avec un... Ouais, bah j'ai qu'une seule peau de toute façon. Notre première synthèse est un échec. Ce qui veut dire que nous pouvons encore progresser. Pas question de s'arrêter, il faut avancer. J'ai identifié certains points du processus de synthèse qui nécessitent plus de recherche. Allez voir ce que vous pouvez apprendre au Centre des Sciences et tenez-moi informé. Ouais, là, lui aussi, ça va être un échec, rien. Tu vas voir. Sérieux, faut en plus que je cherche une équipe de garde et de capture. Parlons. Une fois qu'un scientifique a terminé la synthèse d'un génome, tu pourras pas courir, découvrir et sélectionner les œufs incubés. Tous les œufs sélectionnés seront incubés et une fois maturés, les dinosaures pourront être transférés en même temps. Les dinosaures peuvent également être transférés vers d'autres endroits via un pont aérien. Des vélociraptors? Je ne sais pas si nous sommes prêts. Toutes les précautions nécessaires ont été prises. D'après les données scientifiques, ces dinosaures ont les chances de réussite les plus élevées. Nous avons beaucoup appris et nous continuerons d'apprendre. Oui, oui, bien sûr. Et je comprends vos inquiétudes, Madame Alford. Tous les dinosaures représentent un certain danger. Et notre travail consiste à le réduire au maximum. Gardez les avocats à distance, et les dinosaures heureux et sagement dans leurs enclos. Et vous aurez droit à ma reconnaissance éternelle. Docteur Hammond, nous avons donc votre autorisation pour continuer ? Oui. Oui, bien évidemment.
Je m'en fous des bénéfices. Je m'en fous. Les toilettes payantes, ma gueule. Qu'est-ce que tu crois? Putain, on peut pas. J'ai pas compris, mais vas-y, vas-y mon ref. J'ai vraiment pas compris, mais bon. Ah ok, donc ça c'est le vélo que je peux avoir, et ça c'est, ouais, c'est les trucs qu'ils ont, ok, parce que j'ai pas le personnel, hein. Ouais, il est là le personnel. Putain, je peux pas voir le parc là. Ok.
Ok, c'est donc ça. Ok, ma gueule. Voilà. Il nous faut des équipes d'intervention. Je ne dis pas que quelque chose va mal tourner, mais mieux vaut prévenir que guérir. Commençons par un poste de garde. Construisez-en un dans l'enclos des Vélociraptors. Ensuite, construisez un centre de réaction d'où vous pourrez assigner une patrouille au poste. Ok, alors attends, parce qu'on n'est pas sur un fauteuil bouscapé. Tu vas voir la meute, la meute. Tiens, là, ils sont 7. Oh, les 7 terres. Lui, pas en exploration, lui. Ah, putain, j'adore. Putain, ma gueule. Putain, ça me casse les couilles. Je suis sur One Piece là. Et je suis sur Ennis Lobby là. Je suis à l'épisode 272. Et putain, j'ai le mot. Bah, justement, Ennis Lobby dans ma tête depuis la vidéo dernière. Putain, ça me casse les couilles. Je te jure, j'en ai marre. Il me trotte de la tête, je sais pas pourquoi. Ennis Lobby. Pourquoi? Je te jure, ça me fout les boules. Dis-moi que je peux l'ouvrir. Nous voulons que les animaux soient à l'aise dans leur enclos. Jure, il y a deux trucs. Plus ils sont stressés par leur captivité, plus ils ont de chances de se comporter comme on l'attend. C'est le mieux pour eux, et évidemment le mieux pour nous. Assurez-vous du bien-être des Vélociraptors, et n'oubliez pas qu'ils sont encore en train de s'habituer à leur nouvel enclos. Il va être beaucoup. Hein. Il faut me remplir tout ça. Voilà, t'es bien là. Notre
pour la chimie. Ni divertissant ni éducatif si nos visiteurs ne peuvent pas voir les dinosaures. Après tout, tout l'intérêt est de voir de près ces créatures majestueuses, n'est-ce pas? Nous pouvons construire des galeries panoramiques pour offrir cette expérience aux visiteurs, John. Vous verrez, ils n'en croiront pas leurs yeux. Et c'est bien ce que nous voulons. C'est tout à fait ce que je pensais, Lily. Et c'est pour ça qu'ils voudront revenir à Jurassic Park encore et encore. Le dinosaure offre de précieux souvenirs à un prix abordable. Oui, c'est tout à fait ça. Il nous faut un centre paléomédical pour nous assurer que les dinosaures malades et blessés reçoivent des soins. Bonne idée. Il faut que nos dinosaures restent en bonne santé. Ouais, c'est bien ça. J'ai besoin de plus d'échantillons génétiques que ceux que nous avons au parc. Nous pouvons envoyer nos propres expéditions récupérer des fossiles. Mais ce dont nous avons vraiment besoin, c'est d'un centre des expéditions. Je crois que je suis en train de faire quoi ? Nous pouvons prélever de l'ADN sur les nouveaux fossiles trouvés sur place et avoir accès à des séquences de génomes de dinosaures encore plus variées. C'est notre priorité. Six. Allez, un petit manondino. J'ai envie de savoir, ils sont combien dans l'enclos? Ils doivent une bonne dizaine. Hein. Ils sont 12. Ouais, ils sont beaux. Ils sont beaux. Le génome suivant, Triceratops.
Putain, je sais même plus comment on fait. Ok, donc ça veut dire que ouais, il y a quand même. Putain, je suis perdu. Complète le génome tricé. Peut-être en allant là. Ouais. 12, donc là il va être 18. Population 13, 15, il en manque un. Oui, parce qu'ils se sont pas encore découverts eux-mêmes. Ok. Et je vais arrêter là parce que sinon ils vont être trop pour le petit endroit où il est. Enfin, je sais pas si vous avez compris, mais. Tu as une meilleure qualité, quoi. Humaines, il faut ça, hein. Il faut, parce que sinon il faut centre des ressources humaines, yes, il faut absolument ça. Merci, son efficacité base nix. Quoi faire ça aussi, autant profiter.
Ouais, c'est toi qui découvre. Putain, je vois pas le vélo, je vois ça. C'est la qui en coup. Ouais, c'est pas ce que je me disais. Fais passer le cosy de traditionnel, le comité de 17-17, on va passer de socket, il faut que mettre 18-24. Bon, ça. Relâchez un nouvel herbivore dans un enclos. Je veux observer ces animaux dans la nature. Du moins, autant que possible. À mon avis, je pense c'est que la forêt elle est trop petite pour elle. Enfin, la forêt est trop petite pour tous ceux qui sont. Ça commence à trembler.
Ceratops. Ouais. C'est pas sauvé, mais ils sont pas allés jusqu'au bout. La première étape pour cette création du coup. Faut que tu attends la sorte de ne pas pourquoi les couver et sectionner, ça fait incuber.
du beau monde. Non, c'est pas vu. Ces éléments à gérer, je tiens à m'assurer que nous ne perdons pas de vue la raison pour laquelle nous sommes sur cette île. Les... C'est boulos. Oh putain, merde. On va faire un autre enclos. Dinosaures. Leur vie est entre nos mains et ils ont besoin de nous pour survivre. C'est notre responsabilité et nous ne pouvons pas la prendre à la légère. Je veux être certain que ces dinosaures sont aussi heureux que possible. On est en chemin pour récupérer la cible. Il s'est fait beau, ça. Il s'est fait marave.
peut-être faire un peu trop grand, non? Un peu trop. Le docteur Wu et le docteur Hammond veulent que nous augmentions la diversité des espèces dans le parc. Ensuite, construisez une attraction pour les voir. Quelque chose d'impressionnant. Visite du parc, fait passer cette attraction à travers d'un enclos d'une volière pour permettre aux visiteurs d'observer les dinosaures pour modifier le nombre de véhicules disponibles. Ces guidés peuvent également améliorer la transport en disant les distances que les visiteurs ne peuvent courir à pied entre les d'arriver à leur destination.
on va s'arrêter là. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous en aura plu. On se dit à la prochaine. Ciao, ciao.